have a sing along. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc là, il y a on se retrouve pour une vidéo FAQ, les gars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser un maximum de questions. Donc j'en ai recueilli quelques-unes, voilà. Il y en a d'autres, j'ai pas répondu. J'ai pris vraiment les meilleures, c'est mieux. Donc là, on commence directement avec trois questions. Il y a trois questions que j'ai mis en anonyme. Parce que tout simplement, ça passait pas dans un truc. Donc j'ai mis en anonyme. Donc la question c'est. C'est ton brawler préféré, mode préféré, skin préféré. Donc tout simplement, mon brawler préféré, c'est Franck. C'est Franck, voilà, vous connaissez normalement, j'ai une PDP de Franck, donc vous savez. Après, mon mode préféré, c'est bien évidemment le Brawl Ball, je connais. Mais après, pour ce qui est du skin, il y a... Ah, j'ai pas forcément skin préféré, voilà. Je suis pas genre de mec qui a un skin préféré et tout. Donc voilà. Ensuite, qui t'a donné envie de créer une chaîne YouTube? Pourquoi tu as mis cette légende dans ton pseudo? Ah, il y en a, ils savent pas. Donc, qui m'a donné envie de créer une chaîne YouTube? Donc, déjà, c'est moi-même, tout simplement. J'ai eu envie de faire une chaîne YouTube, donc j'en ai fait une, voilà. Pour moi, je dis pas plus de détails. Et ensuite, pour ce qui est du 7 légendes. Donc là, pour le moment, on va juste vous dire le 7. Voilà, donc le 7, c'est tout simplement mon numéro préféré. Ça n'a rien à voir avec ma date de naissance, je sais pas quoi, non. Le 7, c'est juste mon numéro préféré. Et voilà, tout simplement. C'est aussi une petite référence, tu vois, pour mon joueur préféré. Pour ceux qui savent, dites-le dans les commentaires, les gars. Normalement, vous savez, les gars, vous êtes obligés de savoir. Une autre question maintenant, c'est la dernière question anonyme, les gars. C'est pourquoi la vidéo avec un placement de produit? Donc, je sais pas, justement. Pour le moment, je pense que c'est un peu tôt et j'attends d'avoir des contacts déjà. J'attends qu'on me contacte sur Instagram ou je sais pas. Et après, si j'ai une occasion, pourquoi pas. Hein. Ensuite, il y a Maître Kion qui demande, tu es sur YouTube depuis combien de temps, les gars? Alors là, ça fait depuis... ça fait depuis décembre, mais pas d'année, mais encore d'avant. Donc ça fait un an, tu vois, on va dire que ça fait un an. Ça fait un an et quelques mois. Hein. Quasiment un an et demi, quoi. Ouais, ça fait un an et demi, on va dire un an et demi. Donc ouais, ça fait un petit moment, quand même. Ça fait un petit moment. Ensuite, il y a Noah. Il demande, j'ai quel âge? Est-ce que je suis en couple? Alors, pour ce qui est de mon âge, en vrai, on va vous dire un chiffre. Je vais pas vous dire mon âge exact, mais vous savez, j'ai pas 10 ans, mais j'ai pas non plus 20 ans. Donc, voilà, normalement, vous savez à peu près. On va dire que j'ai entre 13 ans et 17 ans, les gars. Ça vous laisse un petit peu de, voilà, des petits indices. Et ensuite, est-ce que je suis en couple? Bah non, tout simplement. Et ensuite, pourquoi tu as commencé YouTube? Bah, tout simplement parce que j'avais envie, voilà. Ça me plaisait vraiment, enfin, ça allait l'air de me plaire, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est carré et tout. En plus, j'aime bien regarder des vidéos, donc pourquoi pas en faire. Et en plus, ça me coûterait. Encore une vidéo de base, je suis désolé. Du coup, c'est avec quel youtubeur aimerais-tu faire une vidéo Brawl Stars? Avant, je vais à Clash Royale, les gars. Avec quel youtubeur, en vrai, ça fait plaisir. Et voilà. Et ensuite, plusieurs quand un giveaway, El Kangri, je peux le link. Donc, ça, je l'ai déjà fait sur mon compte Instagram. Ouais, après, si vous voulez qu'on en fasse un autre, c'est après les commentaires. J'ai pas les noms, mais parce que tu vois, c'est. J'ai Frozen qui demande, j'habite où? Je pense qu'il y a moyen. Mon âge, j'aurais produit. Avec El Kangri, alors j'habite où? J'habite en Bretagne, il y a moyen. Ensuite, il y a GD des commentaires d'ailleurs, si vous habitez la Bretagne. Alors, je mange beaucoup, je lave le même. Si vous êtes breton, dites-moi tout dans les commentaires. C'est un petit peu un conseil que je vous demandais. Ensuite, il y a 45 Blas, 45 qui demande, avance à laver. Blas qui dit, pardon, tu veux Blas, un grand 30 en lavant les mêmes. Bah, c'est rien de rentrer en tombe. Ensuite. Il y a Angus qui demande à laver les mêmes pour rentrer. Quelles sont tes habitudes sur pas rentrant cette saison sur Brawl Stars? Donc là, on est un petit peu vers la fin de saison. Et forcément, au moins, tu devras rush à 900 sur la vidéo, tout simplement. Donc voilà, t'es obligé d'affronter un peu mes objectifs. En fait, c'est pas laver les mêmes. Vas-y, on va essayer d'atteindre les 10 rentrants, on va dire. C'est pas parce que vous êtes au Side 41, forcément, bien, mon gars. Si on chope un des deux brawlers manquants. Tu parles du Brawl Ball notamment, ou même 3v3 tout simplement. Et après, si tu parles du solo, et ben on restera les 40. Pas trop donner des conseils, mais voilà, si ça des conseils en Brawl Ball, je sais pas. Deux petits rentrants dans quoi, vu qu'on a eu. Voilà, voilà. Et ensuite, Lucas B, est-ce que je suis en vacances? Évidemment, ça fait un petit moment déjà. Qu'est-ce que tu fais de tout le monde? J'imagine pas trop. Ensuite, ça fait plus YouTube, c'est plus un truc sur dans l'e-sport. Un truc que je fais pour plaisir, voilà. Le fait que j'ai l'argent, c'est un petit moment, et je me suis dit, c'est un plus, tu vois. C'est un plus que j'allais gagner, tout simplement. Faire de mon métier. Encore YouTube, tu vois, on verra après comment ça va. Je gagne du temps, je gagne un peu, mais alors l'e-sport, c'est vraiment dur de trouver du temps, et en plus, il n'y a aucun intérêt. Enfin, moi, je trouve pas intérêt. C'est pour progresser en level et tout, moi, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, je dis, le Brawl Star de base, c'est juste pour le fun, hein. Donc voilà. Ensuite, il y a Willis qui demande, est-ce que tu as pour projet de faire des vidéos cast commentées de l'e-sport?
Bah en vrai, pourquoi pas, si tu parles de commenter dans le sens un peu comme comment il s'appelle, hashtags, où je commente des games assez de haute qualité, on va dire, bah pourquoi pas en vrai, moi ça m'intéresserait pas mal. Pour le moment j'ai pas vraiment l'occasion de le faire, mais pourquoi pas un jour, on sait pas. Mais bon, c'est dans ma tête, ça reste dans un coin de ma tête, frérot. Donc ensuite, il y a Pity Muffin qui demande, je trouve où tes mates? Bah je trouve sur Instagram, simplement. J'ai juste à DM et voilà, il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. Hein. Et après, il y en a je trouve sur YouTube. Comme par exemple pour ma Elisa, mon gars, mes deux mates qui m'ont aidé pour rentrante, je les connaissais pas de base. Ils sont venus sur mon live, mon gars, et après je les ai ajoutés à la fin du live. Et Sky, la dédicace à vous, Poseidon et Flo. Ensuite, il y a Hite qui demande ton objectif sur YouTube et sur Brawl Stars. Sur YouTube, en vrai, j'ai pas vraiment d'objectif. C'est juste, j'avance et je vois. Hein. Plus on avance, plus on a d'objectifs, forcément. Mais j'ai pas d'objectif de base, tu vois. C'est vraiment, je vois comment ça avance. Vu que c'est un objectif, mon gars, tu vas être déçu, forcément. Si je me dis, ouais, je vais avoir 10K abonnés et tout, et au final, j'arrive pas. Bah, je vais être déçu. Alors que là, je compte pas avoir 10K abonnés, donc je serais pas déçu. Pareil sur Brawl Stars, donc voilà. Ensuite, Shadow qui monte à des projets sur YouTube. Des projets, bah pour le moment, ça donne un coin à la tête. On a déjà fait quelques trucs comme le clan qu'on a créé d'ailleurs. N'hésitez pas à rejoindre les gars. On est un petit peu pas ouf, mais sinon en termes de projet IRL et tout, pour le moment pas trop. Mais bon, on essaie de réfléchir mon gars. Ensuite, une question de Maxime. Fast Reveal, combien? Ah, en vrai, on va se dire un petit 10K abonnés. On verra, mais c'est pas pour maintenant. J'ai pas de mytho, voilà. Donc voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. C'était la dernière question, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si vous a plu, à commenter également, voilà, si ça vous fait plaisir. Et bien évidemment, vous abonner, c'est pas déjà fait, les gars. On s'abonne, active la cloche, t'as capté, et on se retrouve bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Ciao à tous.